Alors, coucou tout le monde, on se retrouve pour 3 colis. C'est la fête, lol. Alors, celui de Rachel, on va le faire au dernier. On va ouvrir les commandes en premier. Alors, c'est... La deuxième a été rapide parce qu'elle devait arriver le 28 août. Le 4 août, lol. Elle arrive en même temps que celle que j'ai commandée après. Ils sont forts, ouais. Donc, c'est deux petits colis TMU, vous aurez reconnu, lol. Alors, j'entaille le premier paquet. Ah, pour ceux qui étaient sur les lives, vous savez que j'avais recommandé. Ah, mais ça veut pas. Ça veut pas. Et on met du scotch, du scotch, du scotch. Ils nous font chier. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Donc là, je peux y aller. Je peux prendre le ciseau. Alors, ça, c'est la commande. Je crois que c'est la dernière, celle-là. Alors, la poubelle. Ma poubelle, elle est où? Parce que je vais faire le rangement de la pièce. Je suis en train de faire le rangement de la pièce et monsieur il est descendu au courrier. Il me dit je ne sais pas ce que Rachel elle a fait. Il y a du courrier. Je suis il y avait que le tenu. Je vais faire direct la vidéo. Donc comme je viens de finir le ménage de cette pièce là, je vais faire mettre du bordel dedans. Sinon c'est un monde sans fin lol. Ouais, ça c'est bon. À vrai dire. Non, mais en fait, je crois qu'ils ont qu'une couleur. C'est encore le même lot que j'ai eu la dernière fois. Donc, j'ai repris des fils DMC. Je vais m'approcher. Qui sont notés DMC. Alors, ça, les fils. Donc, c'est cette commande-là. On va l'afficher comme ça, je vous dis. C'est 50 fils. Qui sont référencés DMC, mais ça fait 3 fois que je les prends et 3 fois je tombe sur les exactement mêmes références. Donc bah pour l'instant je vais plus reprendre parce que du coup bah ça je reçois les mêmes et c'est 3 euros. S'il te plaît. Tiens, il y a son machinou là. C'est 3,98 €. Bon, j'essaie de voir si on peut envoyer un message à la personne. Je sais pas s'il y a un vendeur, si on peut envoyer un message pour demander pourquoi je reçois toujours les mêmes couleurs. Alors, un petit... Oh, un petit diamond painting. Bah tiens, comme c'est bizarre. Tiens, comme c'est bizarre du diamond painting. C'est un 20x30. Et il était au prix de 1,53 €. Il était plus cher. Et il m'a été remboursé une partie. Bon, le paquet est mort, hein. Il y a une partie qui m'a été remboursée, donc du coup, je l'ai payé 1,53 €. Une petite girafe qui est trop mimi. Vous savez notre amour pour les girafes chez nous, pour Sophie la girafe, mais celle-là, elle est trop mimi. Donc, il va être assez rapide à faire. Il n'est pas très confetti. Donc, vu que je sais me servir du multiplacer 4, à peu près, au-dessus, non, mais jusqu'à 4. Donc ça va. Il y a deux tableaux de référence. Là, il y a le marqué Diamond Painting. La référence de la toile, 20x30. Alors, l'image en elle-même, elle fait combien? Parce que, à mon avis, c'est le tout qui fait 20x30. La super vague de chez Action. Tiens, la poste, elle est là-bas. Elle est là chez mamie. Il fait 24,5. En hauteur par 15. Ouais. Donc 20x30 avec les bords inclus. Moi c'est très bien, ça me va. Vous avez un petit kit tool kit. Crayon, barquette, colle. Et des petits sachets comme ça. Je vais pas les ouvrir parce que je vais pas commencer tout de suite. Hein. Donc hop, ça c'est génial.
Donc ça, je pourrais tester. La qualité a l'air d'être exactement la même que les autres toiles classiques. Hein. C'est pas parce que c'est ému. Bon, bah ça, du coup, c'est un des prochains que je vais faire. Normalement, monsieur va se remettre au diamond painting dès qu'on aura acheté la tablette lumineuse. Donc, lui, il doit faire... les filles lui ont donné... Les filles lui ont lancé le défi sur le live de me faire mon tri... Je sais plus comment qu'on appelle ça, de Mario. Donc, du coup, lui, il va faire ça. Et quand moi, j'aurai fini ce que j'ai à faire, bah, je pourrais m'attaquer à ça. Alors, j'ai réédité vu qu'ils m'ont été remboursés. J'ai réessayé de reprendre des stylos pour voir si ça marche ou pas. Donc on va prendre une feuille. Oui. C'est exactement les mêmes et le même vendeur. Alors on va voir si ça donne quelque chose. Ah, ça marche. Alors attendez. Oh oui, c'est bon, ça marche. Bon, bah alors vous pouvez y aller, vous pouvez les commander. Hein. C'est que je suis tombée sur un lot qui était défaillant. Je suis désolée, il y a Loulou qui est de l'autre côté avec son papa. Hein. Oui. Et ça, c'est très pratique quand je fais mes diagrammes sur mes toiles. Et vu que j'ai plusieurs couleurs, je peux faire marquer le cadre de 10 en 10 et prendre une autre couleur pour faire le 5 en 5. S'il y a des fois, il me faut les deux. Et voilà. Ça, c'est des stylos qui marchent. Donc, en fait, ça venait pas de spécialement d'eux. Ils n'étaient pas dans les stylos. Hein. Et donc, du coup, par contre, pour gommer... pour gommer, c'est dans ce sens-là. Ils se gomment super bien. Attendez. Ah bah alors là, je suis étonnée parce qu'en plus, pour le coup, il se gomme super bien. Le... Bah des fois, ça laisse un peu de marque, un peu de machin, mais... À part là, le bleu turquoise qui a laissé un petit peu là, mais vous voyez que dans l'ensemble, il s'est super bien parti. Donc, génial. Ah bah je suis contente. Je suis contente. Il est où mon pot? Donc alors, non. Vu que c'est des stylos gel, il vaut mieux les mettre dans le sens là pour que la tête à l'envers. Comme ça, le produit il reste en bas. Et il me reste encore un produit. Donc ça, c'était 3,28€ les 8 stylos. Le DP, on a dit 1,53€. Et il reste un petit produit. Ah non, il n'est pas affiché là. Ah si, elle est là. Ça, c'était 4,48€. Ça fait longtemps que je voulais en prendre une. Bah oui, c'est pas très souvent. C'est une petite tablette à dessin comme ça pour enfants. Vous savez, ça me fait penser à quand on était petit là. On avait les espèces de télé avec les deux trucs à tourner là. Donc bah, là, c'est la tablette nouvelle génération. Alors, j'espère qu'elle est bien, hein, on va dire. Alors, comment ça marche? Ça marche par le début, ça, non? Bah, je sais pas. Alors, si, il doit y avoir une pile quelque part. Donc ça se présente comme ça. Bah ça marche plutôt bien. Hein. Voilà. Et apparemment, là. Ah ouais. Et apparemment, si j'appuie là. Oh oui, Maïline, elle est trop contente, elle a dû faire des jolis dessins. Elle... Mets ça dans ta bouche que je t'entends pas. Elle qui adore dessiner, je pense que ça va être son plaisir. Donc ça, c'était 4,48€. A voir combien de temps ça dure. On verra bien dans le temps. Je vous tiendrai au courant. Donc, on peut faire du dessin, des graffitis. Ça peut servir de tablette pour faire de la batterie 10-12 ans.
2 ans la batterie. Et on peut faire des calculs, bah on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. C'est une tablette pour faire des petits dessins. Donc ça, hop, ça c'est fait. Donc attendez. Par contre, le sac plastique qui est là, du coup, il est vide. On s'attaque au gros. Alors, le gros. Pourquoi il est gros comme ça d'ailleurs? Ah bah oui. Vous avez Gabin qui vous fait la musique. Hein. Ah, du coup, ça veut dire que j'ai pas réussi mon défi. J'ai pas réussi mon défi, j'avais dit. Tu peux lui donner une tétine, s'il te plaît? Tu peux lui donner une tétine? J'ai pas réussi mon défi. J'avais dit que avant de recevoir mon colis Temu, je devais avoir fini mon Mario pour l'accrocher au mur. Mais du coup, bah, j'ai pas réussi. Parce que je croyais qu'ils allaient arriver un peu plus tard, fin de semaine. Eh bah, ben ça aussi, ça le fait. Alors attendez. Ah bah ça c'est génial. Parce que au cas où je l'ai payé. Ah non. Vous connaissez la loseuse? Chut, Gabin. Vous connaissez la loseuse, à chaque fois qu'elle commande, il y a un truc qui va pas. Hein? Alors attendez, je vais enlever l'emballage. Ah oui. Ouais. C'est pas grave, je vais me la faire rembourser. Après, c'était 1,28€. Là, vous voyez là? Là, elle est cassée. Elle est cassée là, il y a des impacts. Alors, ça n'a pas l'air d'être... Attendez. Ouf. Voilà. Alors, est-ce que c'est cassé? Ouais, si. Bon, après, j'ai bien envie de vous dire, s'ils disent de ne pas la renvoyer et qu'ils me remboursent, il n'y a pas de souci. Moi, je mets du pistolet à colle par l'extérieur. Et puis, voilà. Et ça, c'était 1,28€. J'étais étonnée. Alors, moi, en principe, je ne monte pas mes fils sur bobinette. Vous les voyez, ils sont là. Mais quand les chevettes est entamée, du coup, je vais monter sur bobinette. Et je vais ranger dedans. Donc là, j'ai 3 compartiments. 2. Et 3 compartiments. Donc du coup, nickel. Et ça, c'était 1,29€. Pas 28, 29. Donc ça, c'est génial. Mais il faut que je refasse la vidéo. Pourquoi elle est cassée. Non, mais pas sur la planche. On va bien vous demander un peu. Ça, c'est poubelle, c'est vide. Après, tiens, tu vas pouvoir aller lui ramasser, lui donner. Pour Gabin, j'ai pris un petit machinou, ça s'appelle. C'est un truc en silicone comme ça que vous mâchez pour faire les dents. Pour ça marche aussi pour les enfants qui sont excités. Nous, on a Antonin qui a des problèmes de colère et tout ça, et ça marche super bien. Alors lui, Antonin, bah là, il y a que toi passer un film. Mais voilà, vous mettez, il mâche ça. Et alors quand on l'a vu, il était un petit peu cher, je trouve, quand même, pour du Temu. Pour le coup, il était à 4,48€. Je me suis dit, c'est un petit peu cher, mais bon, vous connaissez notre amour pour les consoles de jeux et tout ça, donc on l'a pris. Tiens, bah, il a rincé, lui, il a passé à l'eau savonneuse, il est bien rincé. Hop, comme ça, il va nous fiche la paix. Tu sais où elles sont, mes crottes? Et quoi? Mes crocs. Les crocs? Oui, mes crocs. Bah non. Je sais pas. Est-ce que j'ai reçu mes... Elles sont pas dans l'entrée? Ou dans la salle de bain? Non, puisque je les ai lavées, je crois. Alors ça, c'est un crayon de papier. Les filles. Alors aussi pour mes diagrammes. Attendez. Pour mes diagrammes, pour... pour plein de choses. Alors c'est... Ah, il y a une gomme. La gomme, elle se trouve... c'est le même que je vous ai présenté en stylo plume pour Jocelyn. Et c'est un crayon de papier infini. Il paraît qu'il ne s'use pas. Il y a marqué éternel, illimité, ne s'use pas. J'ai trouvé super joli.
Et du coup, j'ai dit, je vais m'en prendre un pour faire mes diagrammes, plein de choses. Pas pour faire mes diagrammes, mais pour rayer sur mes diagrammes. Je trouve super joli et c'était 1,48€. Donc pareil, hop, top, pas crayon qui est là. Tac, tac, tac. Alors ça, c'est du... J'en ai pris 2 paquets, ça c'est pour faire mes rideaux. Je cherche ma souris de bonbon en fait, mais elle est sur le côté, c'est ça que vous me voyez chercher. Ça s'appelle comment? Bande thermocollante, kit de réparation de couture. C'était 39 centimes 1, donc j'en ai pris 2. Et ça va être pour faire mes rideaux pour mettre sur le meuble. Hein. Ou ailleurs, parce que du coup on a remis les portes du meuble, parce qu'avec Gabin c'est compliqué. Donc voilà, c'est de la bande thermocollante comme ça. Et vous pouvez refaire des ourlets avec. Donc, c'est combien? Peut-être 1 mètre, ça? Ouais, il y a 1 mètre. Donc, j'en ai pris 2 fois 1 mètre. Donc, comme ça, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Et il me reste 2 trucs. Ah bah le prix il a encore baissé. Il va falloir que je regarde si j'ai un remboursement. Ça c'était 1€. Alors là ils sont 1,70€ et moi j'ai payé 1,88€ les 12. Et j'en ai pris 2 petits paquets. Donc c'est Delphine qui me l'a conseillé. Et elle m'a dit que c'était très bien. Alors, un, c'est comme ça. Il y a une partie. Alors Delphine, je crois qu'il faudrait que tu m'expliques comment ça se passe. Apparemment, il y a une partie que vous collez au mur, l'autre partie que vous collez sur votre toile. Et vous accrochez les deux ensemble. Parce que là, je pense que c'est la partie qui va sur le mur, la partie qui va devant. Ça n'a pas l'air de s'écarter. Parce que ce que Delphine m'avait montré, ça avait l'air d'être des scratchs. Bon, bah j'ai... Désolée, je sais pas. Je sais pas. Là, il y a du double face de ce côté-là, il y a du double face de ce côté-là. Faut que je regarde. Et du coup, bah, j'en ai pris de l'eau. Et je vais tester de mettre mes toiles de diamond painting directement sur le mur, vu que moi je les vernis. Donc il n'y a pas de souci après que ça bouge. Au lieu de mettre des cadres, parce que les cadres il faut percer. Il y a des endroits chez moi où je ne peux pas percer. Les murs ils sont trop durs, on ne peut pas percer. Où il faudrait des mèches spéciales et tout. Donc si ça, ça fait l'affaire, ben au mois d'août, là je dois repasser commande. J'ai quelques trucs dans mon panier. Donc au pire, si ça fait l'affaire, je vais tester. Si ça marche, je vous tiens au courant et j'en reprendrai pour avoir un petit stock quand je finis des diamants de painting. Tiens, va voir ton père, il va te montrer ça là. Tiens. Viens voir. Regarde une tablette à dessin, Maïline. Mmh. Et pour mes crocs, je me suis pris un petit lot de petits charms. Donc moi, j'ai pris le lot de 10. Donc j'en ai 10. J'en ai un comme ça. Après, c'est pas trop des trucs que. Je voulais décorer mes crocs avec ça, mais. Un poulpe. Un rhinocéros. Non, un hippopotame. Le rhinocéros, il a la corne. Un petit cupcake. Une petite abeille. Tout dans les tons roses, quasiment. Un petit champi rose. C'est pas le champi de Mario, lol. Une sucette. Une montre connectée que j'ai envoyée chez Temu qui n'est pas encore arrivée chez eux. Ah, je crois que les garçons en ont aussi. Un avion, ça je pourrais donner à un des enfants. Puis une main comme ça. Donc ouais, ça...
Oui, mais ils ferment bien, toi. Après, c'est aléatoire, donc ça, c'est pas de leur faute. Hein. Ça me paie un peu moins bien, mais bon, voilà. C'est pas grave, ça va décorer mes crocs. Hein. En plus, elles sont roses, donc voilà. Donc, du coup, ça, c'est fait. Alors, je sais plus par contre comment je fais pour voir s'il y a un ajustement de prix. Ah, c'est simple, vous voulez des crocs? Bah oui, je voulais. Je crois avoir tout. Je voulais regarder, je sais plus comment qu'on fait, vos commandes. Tiens. Ah bah voilà, les voilà mes crocs. Eh, mes crocs sont toutes propres. Bah, veux que tu l'aides là. Un petit bonhomme. Eh, ça rentre pile poil. C'est bien calé, ça bouge pas. C'est bien collé à la crocs. Ah, mieux que le logo d'origine. Alors attendez. Je vais pas tous les mettre hein, parce que je vais pas avoir l'air goudiche. Après, moi, les crocs, la plupart du temps, elles restent à la maison. Là, je vais mettre le cou. Ah, ils sont calés, tchés calés. Hein. Vous pouvez y aller, ils ne bougent pas. Il faudrait que j'en rachète des crocs, les siennes elles sont trop petites. Voilà. On va en remettre un de ce côté là. Je vais mettre la sucette de ce côté là. Ah oui, il est bien. Et de ce côté là, je vais mettre quoi? Bah, la petite montre connectée, hein, parce que les autres. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites de mes crocs? Et la deuxième, elle est comme ça. Voilà, ben, il en reste 4, on va les garder. D'ailleurs, mes crocs sur mes pieds. Je vais vous dire comme ça si ça gêne ou pas. Non, ça gêne pas du tout. On le sent même pas. Donc du coup, il y a une commande qui coûtait... Je ne sais même plus. Et puis les prix. Bon bref, je vais donner les prix au fur et à mesure. Et on va ouvrir le dernier petit cadeau de Rachel. Il y a marqué Rachel, des fois qu'on ne sache pas. Il n'y a que Rachel qui nous envoie des trucs dans les enveloppes roses. Hein, je vous le dis. Je pense que c'est le... Alors, je pense que c'est le mien. Parce que monsieur aussi, il a gagné quelque chose. Alors, est-ce qu'elle a mis les deux en même temps? Ou est-ce que c'est le mien? Ou est-ce que c'est celui de monsieur? Je ne sais pas. Ça sent bon. Une odeur de parfum. Waouh, elle est belle. Elle est jolie comme tout. Ouais, non, je pense que c'est pour moi. Il y a marqué coucou ma belle. Voici le petit enveloppe avec le petit cadeau des cases d'épée. Et c'est un aimant. Génial. Ben, je vais le mettre sur... Alors, hop, l'aimant est là. C'est un cœur en résine pailleté. Il est trop beau. Puis il est bien fait, il n'y a pas de bavure. Ah, et puis j'avais pas vu. Il y a un tout petit cœur là. Vous ne verrez pas. Il y a un petit cœur là, en relief. Je sais pas si vous voyez. Là, on voit peut-être un petit peu. Là, on l'aperçoit. Il est trop beau, il n'y a pas de bavure, rien, franchement. Joli. Merci, ma belle. D'ailleurs, ce soir, pendant le live de Micheline, je vais faire la broderie de Maïline pour la terminer.
Et demain, je finirai les points arrière, par contre. Parce que là, je vais faire juste le fond, parce que là, du coup, j'ai pas avancé dessus. Ah, ouais. Il va être un petit peu gros. Ouais, il va être un petit peu gros, mais ça va aller. Hop, on va le mettre dessus. Et du coup, ah, mon aiguille, elle a du mal à tenir. Mon aiguille, elle veut pas tenir dessus. Ah, si. Voilà. Ah non, elle s'est sauvée. Là, elle est tombée par terre, en plus, pour le coup. Il la voit. Donc voilà, je pense que ton aimant, ma belle, il est pas assez puissant. Mais c'est pas grave, je vais le garder en déco ou je mettrai juste le derrière. Attendez. Attendez, on va réparer ça. Ça, c'est un tout petit comme ça. Hop. On va rectifier le tir. Je vais prendre un des miens qui est plus gros. Dans ce sens-là, non, dans ce sens-là. Et normalement, là, je pense qu'avec un des miens... Non, ça veut pas. Ça veut pas tenir. Vas-y. Un petit peu. Voilà. Sinon, je le laisserai là, en déco. Eh ben, merci beaucoup, ma belle. Ou alors sur la porte d'entrée, pour les rendez-vous. Alors, du coup, attendez. J'ai mis où le petit bout qui va derrière? Il est là, celui-là. Ouais. Ah non, sans ça, sinon ça marche. C'est parce qu'il y a une épaisseur et du coup, ça doit être ça. Parce que dans ce sens-là, ça marche. Ah, bah, du coup, je peux le remettre, mais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Mon aiguille, elle est gardée derrière. Donc ça, je vais remettre celle-là. Eh ben, merci beaucoup, ma belle. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pour les retours de Temu, je vous les dirai dans une prochaine vidéo. Et on se retrouve bientôt. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bisous.